Salut à toutes et à tous, c'est Koniski, on se retrouve avec Ulf. Ulf Koniskson en proie aux Batanians maintenant. On a pris le château de Torios assez facilement, mais cette guerre, on la voulait pas. Je vais vous montrer la puissance du royaume Batania. C'est juste complètement démesuré par rapport à la mienne, juste trop petit, trop... un royaume trop naissant pour pouvoir faire la guerre contre eux. Il faut qu'on fasse la paix le plus vite possible maintenant. On a pris un château, c'est déjà bien. Je vais rentrer prendre la garnison. 6. Alors on peut malheureusement pas faire la paix via l'interface de gestion du royaume. Je sais pas si ça va être changé plus tard ça, mais... Je sais pas pourquoi je peux pas proposer la paix. L'Empire du Nord non plus, alors que ça fait un moment que je suis en guerre contre eux. Donc bizarrement, pas moyen. Il faut aller parler aux gens directement, ça devrait marcher. On va essayer de trouver un petit noble batanien pour lui proposer de négocier la paix. En attendant, il y a quelque chose que je voudrais bien faire au niveau des lois. On a plus de 50 influences. On peut imposer notre loi. On est seul, on n'a pas de vassal. Donc c'est le moment d'imposer des lois qui avantagent le roi. En gros, tout ce qui commence par royal, par king, les commissions royales, le coût de création des armées pour le roi va être réduit de 30% en influence. Très, très utile, vraiment super, c'est très puissant. Et également... elles vont regagner de la cohésion à un coût d'influence 30% inférieur. Je vais vous montrer comment ça fonctionne. Par contre, les vassaux, eux, auront des coûts majorés de 10%. Donc c'est un peu embêtant pour eux. Autant passer cette loi quand il n'y a personne. Ça va m'aider à plus facilement également rassembler mon armée. Ok, c'est bon. Alors pour récupérer de la cohésion, il y a le bouton ici plus 10 et ça coûte un peu d'influence. C'est pas énorme, mais comme j'ai baissé encore le coût de 30%, c'est encore moins énorme évidemment. Est-ce qu'on peut demander aux villageois de les forcer de nous rejoindre? Si je croise des villageois, je verrai si on peut le faire. De toute façon, ils me détestent tous déjà, donc ça peut être une manière de recruter. Non. Malheureusement, on peut pas. Passons à Torios. Voir nos nouveaux petits les administrés. Entraîner des... Ils veulent tous qu'on entraîne des troupes. Moi, j'ai pas envie de leur entraîner des troupes. Maintenant, si j'accepte, ils vont me donner des troupes. Ah ah! Malin! Je suis pas obligé de réussir la quête pour autant. Je suis Attilon, d'accord. Voilà, ça fait des troupes en plus. Ce ne seront pas terribles, mais... Puis si j'arrive à les monter de niveau... Je pense plutôt qu'ils vont tous se faire tuer, hein, personnellement, mais bon. Alors du coup, dans mes troupes... On devrait maintenant retrouver... Évidemment, j'ai une pléthore de troupes, c'est compliqué de s'y retrouver, mais... Voilà, troupes empruntées, j'en ai 10. Honnêtement... avec cet équipement, c'est des fermiers en fait, hein, ils ont des fourches. Avec cet équipement, ils vont pas faire long feu. Bon, on va voir. Idéalement, pour réussir ces quêtes, faut les faire à un moment donné où c'est la paix et faire des groupes de pillards en boucle. Parce que là, du coup, les alliés peuvent pas mourir. Alors, Litka est en train de passer à côté, donc on va reprendre ses hommes parce que de toute façon, elle en a pas assez. Donc, je pourrais pas la prendre dans l'armée. Je peux vérifier, hein, mais là 15 c'est tout à fait insuffisant. Bien, on continue. Donc mon idée c'est d'aller. Ok, merci pour l'alerte. J'ai pas eu d'alerte que ma ville était attaquée. C'est vraiment quand même un gros problème. C'est quand même un gros problème d'interface. Après, c'est parce que le jeu n'est pas fini. Je vais le laisser. Je vais pas intervenir parce que j'ai pas envie de perdre des hommes. Et on va... On va prendre des troupes, ces troupes, et après je vais... Voilà.
Je vais faire un peu de gestion de personnage. Ulf, un point de concentration. On va monter Stuart au maximum. Des points de concentration. Après, il faudra encore monter la tribu pour pouvoir monter plus haut. Encore, c'est vraiment tout à fait équilibré si on peut vraiment arriver tout en haut. J'ai l'impression que peut-être c'est compliqué quand même. Parce que j'ai déjà un maximum du focus. Et on est déjà à 4 en intelligence. Mais je pense que les stats peuvent aller jusqu'à 10. Donc ouais, quand même, je suis loin d'avoir investi complètement là-dedans. Sazal, c'est toujours bloqué. Alec, Frostbeard. On met ceci. Et on a fait le tour. Bon, on va aller voir Epicrotea si on arrive à reprendre la ville. Et si l'armée est toujours dans le coin, il faut d'abord que je reprenne la ville et puis qu'on fasse la paix. Absolument, je peux pas me retrouver sans ville. Enfin, je pourrais, mais ce serait quand même dommage. On n'a pas envie. 685. Ça me paraît quand même compliqué. Ils vont où? Ils vont assiéger le château de Torio. Pendant ce temps-là, on va reprendre la ville. D'abord que je fasse ça. Et on essaiera de rassembler une armée un peu plus puissante. On a les troupes éventuellement, mais j'ai pas assez d'influence pour rassembler tout le monde. Et puis je veux reprendre la ville absolument en priorité. Sazal. Il est passé à mon nez et à ma barbe. Ils peuvent reprendre le château momentanément, ça me dérange pas. Je veux récupérer ma ville. Il y a 105 défenseurs de la garnison. Beaucoup de volontaires, donc ça devrait pas être trop compliqué de reprendre. Et voilà une armée ennemie qui arrive. Peut-être qu'on pourrait faire la paix à eux juste après avoir repris Epicrotea. Ce serait vraiment... Ça, ce serait le top du top. On va essayer de faire ça. Ok. Ouais, évidemment, ils vont passer... Non, ils attendent sur le côté. Ok. On va faire juste un bélier. Ouh là là. Ils ont un nombre juste incroyable de vassaux et de troupes. Ça va être quand même compliqué. Hein. Honnêtement, je ferais bien un assaut par les murailles pour ne pas perdre de temps. Ils sont que 89. On va le faire tout de suite. Ah, ma belle ville. On a quoi comme groupe, alors? Infanterie, les archers. Est-ce que je peux aller? On va devoir traverser le pont, en fait, de toute façon. D'accord. Finalement, l'important, c'est pas trop important où on se met. Je fais déploiement automatique et on commence. Je vais laisser le commandement délégué. Passer par le côté, évidemment. Moi, je vais passer par le pont. Je veux qu'il me voit bien arriver et reprendre ma ville. Faut pas qu'on perde trop de troupes. Après, on a beaucoup de basse qualité, de bas niveau, donc on va en perdre, ça c'est sûr, beaucoup. Mais je veux garder mes vétérans. Cela dit, je peux pas y faire grand-chose. Si ce n'est aider au max. Alors, ils vont dresser les échelles, regardez. C'est tellement cool. C'est tellement bien fait. Alors, il faut aider. On voit pas des masses des ennemis, hein. Pas sûr qu'ils aient des masses d'archers, en fait. Hein. Je vais peut-être devoir aller à pied. Via les échelles, parce que... Apparemment, j'ai l'impression que, en fait, vous avez plusieurs postes de défense et plusieurs niveaux. Il y a des défenses extérieures, et puis vous avez peut-être également... des défenses plus intérieures, ou alors ils sont là. Ah, ils sont regroupés du même côté. Peut-être. On va donner un petit coup de main comme ça, ça va aider pas mal. Juste que je fasse gaffe à ne pas tirer sur mes alliés, évidemment.
Allez, je suis bien mis ici. C'est bon, on peut monter. On va prendre la ville, ça c'est une chose certaine. Après, on a des petites armées de sang qui rôdent devant les portes. Faut pas que je les prenne en même temps, ceux-là. Mais ce serait mieux de pas les avoir en même temps. Faut voir la qualité, on va vérifier après. Vérifier qu'il n'y avait personne sur la gauche. Allez! À l'assaut! On va au moins tuer un sur les remparts. Et peut-être même deux. Par là. Où sont-ils partis? Lâche. C'est dehors, ça se bat dehors. Tiens. Retour à la maison. Ça fait du bien. On va laisser les troupes finir. Bon, alors le coup classique, c'est qu'il y en a un qui tombe dans la zone entre les deux portes. Je vais aller vérifier. Oh. Ah, on peut ouvrir la porte de l'intérieur peut-être. Et de l'extérieur aussi, une fois qu'on a ouvert la porte. Alors d'accord, ok. Une fois qu'il y a quelqu'un qui vient ouvrir la porte à depuis l'intérieur, j'ai l'impression qu'on peut l'ouvrir des deux côtés après. Enfin, je sais pas. Hein. Faudrait tester, mais vous voyez qu'on peut. On peut manipuler en fait. Ce qui est très très bien. Alors ils sont où les ennemis restants? On va regarder. Et hop. Yes. Bon, c'est évident qu'on allait gagner, hein, mais on a quand même eu 44 morts. Ouh là là. 28 dans notre groupe à nous. Un butin tout à fait négligeable. Ok, on l'a pris. On l'a repris. Maintenant, mon armée fait 158 encore, ce qui n'est pas énorme. Qu'est-ce qu'on a ici? 25 volontaires, ça c'est les recrues. Encore 5 recrues à Zeraï, 6 paysans, 12 paysans, 11 paysans. C'est de la faible qualité ici. 68 volontaires. Ok, là aussi. On peut les faire. On peut les faire. Maintenant, s'ils veulent bien faire la paix, je préfère la paix. On a encore le château de Torios. Et j'ai pas spécialement d'avantage à leur mettre sur la tronche. Mais s'ils refusent la paix, on va le faire. C'est parti. Se rééquiper correctement. Vérifier qu'on n'a pas d'amélioration à faire. Et on en a des bonnes. Les troupes empruntées, on en a encore 8. Il n'y a qu'une qui a pris un niveau. Mais c'est pas mal tout ça. Ok, ils s'enfuient. Alors je sais pas pourquoi ils sont à pied, mais ils sont à pied donc on va les rattraper assez facilement. Enfin, je pense. C'est qu'ils sont pas très nombreux.
4-4 et moi je suis à 4-5. Je vais aller par là, on va vendre les prisonniers dans la ville. J'aurais bien voulu les garder mais ils me ralentissent. Dommage parce qu'on peut quand même régulièrement recruter, mais bon. Il n'y a rien à faire, il faut que je récupère de la vitesse. Avant toute chose, bloquer mon Warazor. Et attendez, bloquer mon Warazor, mais mon épée aussi. Tellement ennuyeux ce système. J'espère qu'ils vont pas patcher ça. C'est pas bien pensé. Ok. La nourriture, est-ce qu'il y a quelque chose? En période de siège et de combat comme ça, c'est pas évident. Il y a souvent moins de nourriture. Les paysans n'ont pas pu venir au marché. Je chante le coup. J'ai peur qu'ils viennent reprendre la ville, mais... Parce que j'ai pas laissé de défense. Tellement lent. 3-3 et... 3-4. J'arrive pas à les choper. Ouais, celui-là, ça va. Oh, réduire, 693. C'est trop, ça. Alors, on est supérieur. C'est le moment ou jamais de faire la paix. Hein. Faut que ça marche. Nos royaumes devraient faire la paix. Allez, pitié qu'ils soient d'accord. Ouh, 46 200 dinars. C'est bon, hein, j'ai 121 000. C'est bon, c'est très très bon. Pas échanger les fiefs. J'ai l'impression que pour l'instant ça c'est pas possible. C'est toujours grisé quoi que quel que soit le marchandage pardon que je fais. Par exemple, on devrait pouvoir recruter un vassal et lui proposer comme rémunération un fief. Ça paraît quand même vraiment le plus logique. Mais pour l'instant c'est pas possible. Donc ça c'est quand même bizarre. Ok, on va faire ça. C'est accepté. Je quitte. Boum. Est-ce qu'il a pris le château ou pas? Est-ce qu'il m'a pris quelque chose? Ben non. Waouh. Ok, soulagement. Jusqu'au prochain problème causé par la conspiration, évidemment. Faut que je me renseigne pour voir comment on fait pour la supprimer, celle-là. Alors, je vais lui reparler pour essayer de le recruter. Ben oui, dans la foulée, tant qu'on y est. Ah, il me demande de parler à Mélidir, d'accord. C'est pas le chef du clan? Ça vaudrait le coup de parler peut-être à Raduir, mais... Il va mettre un raid sur Dradios. Donc ils sont en guerre encore contre d'autres. Probablement l'Empire de l'Ouest ici, ouais. Ça m'intéresse qu'ils soient en guerre contre eux parce que ça veut dire que... Faut pas que je traîne si je veux récupérer éventuellement une ville de l'Empire de l'Ouest. Jalmaris peut-être et Zeonica, les deux, éventuellement. Attention qu'ils sont, ils ont encore beaucoup de troupes, hein, donc pour l'instant quand même compliqué. Je vais attendre qu'ils se fritent avec les Bataniens avant d'intervenir, je pense, ce sera mieux. Je vais vraiment essayer de le recruter, j'espère qu'il est... J'aurais dû regarder dans la... l'encyclopédie s'il est chef de faction. Non, il n'est pas. Ça prend un petit peu de temps de regarder, mais franchement, je pense que ça vaut la peine. Alors, où est-ce que je suis? Est-ce qu'on pourrait en profiter pour recruter? On peut passer à Mazadan éventuellement. Il y a Tovir ici. On va croiser sa route, donc on peut directement lui parler. Relation de zéro. Bon, on peut le tenter. Près 39%, puis... Oh! Eh, mais j'ai commencé directement avec deux boules.
Je crois que c'est un bug parce que j'avais déjà, j'avais déjà fait une tentative avec lui et il a gardé les deux boules d'avant. Écoutez, entre bug positif et bug négatif, on va prendre ce qu'on peut. Hein. Après, ah non, il avait déjà accepté lui, je pense qu'il n'avait pas voulu venir parce que je devais le payer. C'est peut-être plutôt ça. Peut-être que c'est pour ça que j'ai commencé avec un avantage, c'est peut-être pas un bug. Pour 44 000, il va me rejoindre, on va avoir un vassal, Tovir. Hein. Il a une bonne tête, hein, oulala. J'ai peur, on a une relation de moins 30 avec lui, ça commence mal. Mais... on va accepter évidemment l'offre. Tovir a rejoint notre royaume. Excellent. J'ai gagné des points de charme directement. Faut que je remonte mes finances maintenant, hein, absolument. Donc on va... je suis content là, ça se présente bien. On n'est plus en guerre contre personne à part l'Empire du Nord, mais on le voit plus. Je sais pas comment on peut le détruire à 100%, mais... je crois qu'on peut considérer qu'il est détruit. On va regarder la diplomatie, sa puissance 187. Bon. Alors, est-ce qu'on pourrait peut-être lui faire une quête? Non, il m'aime pas assez. Donc là, il faut que les relations remontent. Je sais pas comment ça va être possible. Peut-être qu'il y a une loi qui permet de faire remonter les relations avec les vassaux, mais ça m'étonnerait un peu. Ok, on va passer peut-être par Omor acheter de la nourriture, il n'y a pas vraiment besoin. Non, on va aller vers le sud. Mon armée perd de sa cohésion, mais regardez, j'ai gagné 129 d'influence. Donc on pourra la faire remonter facilement au max et recruter, rassembler plutôt, plutôt que recruter de nouvelles troupes. Il y a quand même 70 hommes, c'est pas énorme. C'est pour ça aussi qu'il a bien voulu me rejoindre, il est peut-être assez faible. On peut regarder son clan dans le royaume. Donc le clan Ubroving, l'ours, la bannière à l'ours. C'est moins impressionnant qu'un faucon, mais si, c'est quand même pas mal. Non, c'est pas lui. Ah si, c'est lui. Oui, c'est lui, mais il a... donc c'est bien ça, un membre, mais il a zéro influence. Ok, il a zéro influence, d'accord. Et c'est un clan de tiers 2. J'ai l'impression que dans le jeu, peut-être les clans peuvent être détruits dynamiquement si tous les membres sont tués. Ou que le dernier membre meurt sans héritier, par exemple. Et que du coup, peut-être de nouveaux peuvent apparaître. Peut-être que c'est un nouveau clan. Parce qu'il n'a pas d'influence. Après, peut-être qu'il se trouve que par hasard, il avait zéro à ce moment-là. On va quand même regarder sa famille, par exemple, à lui. Il a pas mal d'amis. Mais effectivement, il a pas de famille, en fait. Il est tout seul. Ok, il est valeureux. C'est bien. C'est plutôt cool. Je peux dépenser de ma propre influence pour augmenter l'influence du clan sélectionné dans mon royaume. Intéressant. Non, moi, ce que j'aimerais bien, c'est lui donner un fief, qu'il puisse se débrouiller un peu. Ça coûte 200 pour le donner. C'est un peu abusé, ça. On va attendre d'avoir quelque chose de neuf à lui donner. Allez, c'est bien. C'est plutôt pas mal. Est-ce qu'on a des prisonniers pour l'instant? Non. On va aller vers le sud. Qui est ici? Une caravane. Faut que je surveille bien ce qui se passe. Hein. Ce qui m'embête vraiment, c'est que j'ai eu aucune alerte. On devrait avoir une alerte sur la droite, je trouve, la grosse alerte, le gros type d'alerte, quand une de nos villes se fait attaquer quand même. Hein. Ça me paraît quand même un minimum, et pour les châteaux, pareil. Pas de troupes, donc rien à faire. Regérer la ville peut-être, il n'y a rien en construction pour le moment. Tout est au max, sauf ceci. La nourriture est à zéro, oui, on va laisser l'irrigation pour le moment. Ok. Donc maintenant on va partir vers le sud.
espionner un petit peu l'Empire de l'Ouest pour voir s'ils sont une proie ou pas pour nous. Potentiel. Attention à la consommation de nourriture par l'armée, il faut absolument que j'en rachète par contre. On va passer par les différents... Alors déjà je vais faire des looters quand je peux aussi. Parce que ça me permet de regagner un petit peu de... d'influence. J'en ai plein mais... Ouais, ça rapporte vraiment pas grand chose. C'est plutôt pour l'argent... que vaut le butin, que ça peut être encore intéressant. Et pour entraîner les troupes, surtout, faut pas oublier. L'armée de Raganvat qui passe, j'espère qu'il n'est pas trop fâché qu'on ait pris Tovir. On va lui parler pour voir s'il réagit à ça. J'ai une armée plus grande que mon ancien roi, là, pour l'instant. J'ai entendu que vous avez pris le château de Torios. Tout à fait. J'aimerais proposer une alliance entre nos familles à travers le mariage. Et vous offrez la main de qui? Se camoufler. Mais c'est la main de ta fille que je voulais. Ok, c'est pas grave. Ouais, donc là, c'est les échanges, mais pour l'instant, c'est quand même très limité. Bon. Donc la garnison, j'ai décidé que j'en mettais pas pour l'instant. Je suis juste pas assez... J'ai pas assez d'hommes. Ce serait bien qu'on stabilise un petit peu et qu'on fasse du recrutement et qu'on mette en garnison, mais... On va compter sur la milice, tant pis. Alors ici, les constructions, on continue. On fait monter tout ça au niveau 3. Parfait. Je vais passer au château d'Ataconia à faire pareil. Ok. Trois partout. En fait, il n'y a plus rien à faire. Entraîner la milice, je pense que du coup, là, c'est au max. Je vois plus rien qui évolue. Faut construire des milices, des maisons. Et partir donc vers le sud. Je pourrais assembler l'armée avant de partir. Ce serait sans doute une bonne chose. Puisque c'est quasiment sûr, je vais déclarer la guerre. C'est probablement le bon moment. Est-ce qu'il a pris le château qu'il voulait prendre? Radios, je le vois pas, mais ça se bat. Donc on va aller observer ce qui se passe. Je vais effectivement prendre des hommes avec moi. Évidemment, eux, il n'y a pas moyen. Sazal est dispo avec 42 hommes, gratos, c'est très bien. Pour un coup de 11, on a 71 hommes de Torévir qui vont m'accompagner. Il faut qu'il vienne gagner son château, celui-là. Pour 18, 59 hommes, ok. 20. J'ai un coup de 49. On va essayer d'en garder un petit peu de côté. Il m'en reste une vingtaine. Et on a quand même une grosse armée. Je vais le faire. Par contre, il faut vraiment qu'on achète à manger. Donc on va passer par Amitatis, peut-être. Uslav a été capturé. Ah zut. Le grain n'est pas cher. On a quand même encore 43 000, donc faut pas que je garde trop le prix. Il faut vraiment qu'on ait une grosse réserve de nourriture, on en aura besoin. Lidka a recruté, peut-être qu'elle est dispo maintenant? Non, mais elle a 27 troupes, elle le sera peut-être bientôt.
On prend tout le grain, on prend toutes les olives. Les olives, c'est pas consommable, je pense. Peut-être si, c'est de la nourriture quand même. Ça marche. Hommes pour l'instant, mais plus vont me rejoindre. On est pas mal, on est pas mal. J'ai pas assez de nourriture encore, je trouve. On va passer par Rotae. Et 30 looters pour faire monter le niveau. On vend le stuff à Rotae et ensuite on regarde ce qu'on peut faire au niveau campagne militaire contre l'Empire de l'Ouest. Uslav s'est échappé, tant mieux pour lui. Non, on peut acheter des chevaux ici. C'est toujours bien pour augmenter la vitesse s'ils sont pas trop chers. Voilà, en dessous de 250. En dessous de 1000, j'achète. Voilà, Tovir qui arrive. On n'est pas encore au complet. Voilà également Targaï. Les Karakargit et Kamnon de la main et Vasilops de la main également. C'est que des looters, mais prisonniers, je peux les vendre. Ils vont me ralentir inutilement. Alors, beaucoup de grains hyper pas cher, ça c'est bien. Ça, on va prendre aussi. Le poisson, on va prendre. Le beurre, je vais prendre. La viande, j'en ai plus, on va la prendre. Fromage, pareil. Date, bière. Il y en a très peu. Hein. Et on va remonter à plus de 300 de nourriture. J'ai une grosse armée. Même à 400 de nourriture. Voilà, comme ça je suis sûr d'être tranquille. Ou à peu près sûr. Enfin une armée digne de ce nom pour Ulf. C'est pas encore la toute grosse armée, mais quand même. Plus de 600 hommes. Honnêtement, ça devient pas mal du tout. On prend des points aussi. Mener une grosse armée, ça fait monter les points de leadership, je pense, de Stewart aussi peut-être. Les troupes empruntées, on en a combien maintenant des améliorées? 2. On va la rater cette quête de toute manière, j'ai pas le temps de finir ça. Alors le village de Dradios, il a été saqué, mais... C'est tout ce qui s'est passé. J'entends que ça se bat, peut-être encore. Ah. C'est l'armée de Manchu qui est également sur le coup. Tout le monde va se battre pour les morceaux de l'Empire, en fait. C'est assez rigolo. J'aimerais bien qu'une grosse armée de l'Empire arrive. Ce serait très très bien pour moi. Jalmaris a plus de 560 défenseurs. Donc là, il y a peut-être un coup à jouer parce que si Manchu échoue, moi je suis derrière. Moi je suis là. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. On se retrouve bientôt pour la suite et le début de la campagne, sans doute, contre l'Empire de l'Ouest qui est mourant. Donc ça ne devrait pas poser trop de problèmes pour nous de le récupérer. Je vous souhaite plein de belles choses. Salut à tous.